Allez, on passe à toute autre chose. Jeannanne, elle voulait nous parler de cinéma aujourd'hui. Pourquoi ? Moi, je voulais plutôt vous parler de Vincent. Vincent Cassel, bien sûr. Et pourquoi Vincent Cassel ? Ben, parce que Vincent Cassel et moi, on a quelque chose à vous annoncer aujourd'hui sur le plateau. Mais c'est passé quelque chose ? Bon, non, en fait, j'ai quelque chose à vous annoncer. Oui, Vincent. Elle est dans le fantasme. Vince, total. Ouais, non, mais moi, c'est mon gros problème, Vincent Cassel. Oui, il est en ce moment au Cinoche, au cinéma, dans Gauguin, Voyage de Tahiti. Un film sublime, regardez, il est très, même très, très beau avec sa barbe. Oui, non, mais vous n'êtes pas du tout objective, Jeannanne. Non, c'est quand même bonne. Non, il faut dire, au-delà de ça, moi, je l'adore, mais c'est quand même un des plus grands. Ah, merci, Caroline. Pas mal. C'est quand même un des plus grands acteurs français de sa génération. Il est talentueux. Et puis, c'est un tombeur, n'est-ce pas ? Enfin, c'est un tombeur dans ses films. Oui, dans ces films, parce que c'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, des tombeurs français dans le cinéma. Alors, par exemple, souvenez-vous, dans Belle et la Bête, il fait vraiment chavirer le cœur de Léa Seydoux. Mais encore dans Mon Roi, il vit une histoire intense avec Emmanuel Berco. On s'en souvient, toutes les femmes, on a adoré ce film. Dans L'Instant de mort aussi. Il est dur, ce film. Non, il est très dur. Moi, je l'ai adoré parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, en tout cas. Mesrine aussi, il fait chavirer le cœur de Sissi de France. Et enfin, on voit Marion Cotillard parce que dans La fin du monde, il est marié à Marion. Mmh. Voilà. Hein. Bon, et il y a un autre film qui va bientôt sortir, c'est Je t'aime, etc. Baby de Daphné Burki avec Vincent Cassel et Jeannanne Boudili. Bientôt dans vos écrans sur France 2. Il va tomber amoureux de moi, je te le dis, Vincent. Okay. Elle fait fabriquer ça. Oui, on a fait une séance photo, etc. On a fait une vraie séance photo. Enfin, bref. J'ai hâte de le voir, ce film. Non, mais ça m'a un petit peu excitée. Mais je sais, je vois bien, je trouve ça génial. Ça fait deux semaines qu'elle nous parle de Vincent Cassel, donc ça y est. Non, mais on passe à l'acte, du coup, Vincent Cassel arrive. Parce que tout ça m'a donné envie de jouer avec vous. Je vais vous faire deviner, vous aussi à la maison, les grands acteurs, les tombeurs du cinéma français qui ont fait chavirer le cœur des actrices dans des rôles, bien évidemment. Vous êtes prêts ou pas ? Pas dans la vraie vie. Eh ben, on passe à l'acte, c'est parti. Allons-y. On va jouer tous ensemble et vous aussi à la maison. Bien on a des buzzers. Vous avez des buzzers comme d'habitude et vous les testez. Donc du côté de Daphné, on écoute son buzzer. Alors, heureuse. Alors, c'est Belmondo qui vous parle dans l'équipe de Daphné. Et Caroline Diamant, s'il vous plaît. T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, ça c'est vrai. Caroline a des très beaux yeux. Alors bon, c'est parti, on y va. On devine tous ensemble les tombeurs. De toute façon, moi c'est bon, je suis avec Aurore. Qui ont fait chavirer un grand nombre d'actrices. C'est parti. Petite musique, hein, voilà, le temps que je cite tout le monde. Jeanne Fonda, Catherine Deneuve, Nathalie Baye, Véronique Jeannot, Claudia Cardinal, Mireille Darc, Roni Schneider. Qui est cet homme ? Caroline Diamant. Alain Delon. Daphné. J'allais dire Alain Delon. Alain Delon. Oui. Mais on est ensemble. Évidemment, c'est Alain Delon. Alain Delon, bien sûr. Je vais m'asseoir parce que ça me... Vous parlez d'homme, moi, ça me... Il faut que je m'assoie un petit peu. D'accord. Alain Delon. Bah oui, Alain Delon. Bravo, un point. Et là, c'est toutes les conquêtes. Eh ben voilà. On continue, bien évidemment. Donc, un point pour l'équipe de Daphné. Vous aussi, à la maison, je suis sûre que vous devinez. Un grand, grand acteur aussi. Je vous parle de, bien évidemment, Vanilla Coquillante, Louise Monod, Cécile de France, Gilles Lelouch, Virginie Efira, Gilles Lelouch, Bérénice Bejo, Alexandra Lamy. C'est Jean Dujardin. Pardon, on m'a bloqué le buzzer. Jean Dujardin. Allez, le point pour Caroline Diamant. Jean Dujardin, et vous l'avez entendu. Oui, mais... Jean Dujardin, Jean Lelouch, Jean Lelouch, dans Les Infidèles. T'as de beaux yeux, tu sais. Voilà. Très bien. Gabin, toujours avec nous. Donc, un point pour les deux. On les applaudit, s'il vous plaît. Et on va passer à l'acteur suivant. Donc, plusieurs actrices sont tombées dans ses filets, bien évidemment. Françoise d'Orléac, Fanny Ardant, Sophie Marceau, Catherine Deneuve, Mylène de Mojo, Annie Girardot, Jeanne Siberg. Marcello Mastroianni. Alors. Belmondo. Bravo! Aurore, bien évidemment, Belmondo, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Alors, les filles, vous êtes d'accord, dans le public, il est quand même craquant. On est Belmondo, on est Delon, moi je suis Belmondo. Je suis un peu tout. Hein. Plutôt Delon, Caroline Diamant. Caroline, elle prend de tout. Ah voilà, Caroline veille tout le monde ce soir. En tout cas, vous prenez deux points, l'équipe de Daphné. Deux points pour l'équipe de Daphné. Et...
Allez, un dernier pour la route, peut-être pour l'équipe de Caroline, vous allez pouvoir vous rattraper. Alors, c'est parti. Ne me regardez pas avec pitié. Isabelle Huppert, Josiane Balasco, Catherine Zeta-Jones, Miu Miu, Ariel Dombal, Anémone, Nadia Fares, et je parle de... Thierry Lhermitte. Bravo. Bravo, Thierry Lhermitte. Facile. C'est plus dur. Thierry Lhermitte. C'est pas non plus... Thierry Lhermitte dans ses films, il est beau gosse. Non, j'ai rien dit. Ah, c'est pas votre fantasme. Non, c'est pas mon fantasme. Ah, bah, moi, j'aime bien. Dans les bronzés fonds du ski, ouais. Il est super sexy. Ah, d'accord. En moniteur de ski. En moniteur de ski, on a envie de faire du ski, soudainement. Nous, on a envie de savoir surtout qui a gagné. Dans les bronzés, tout le petit pareo très, très bas, comme ça, sur la hanche, avec une apparition de pilosité. On aime bien. Bon, ben voilà. Qui a gagné? Ex-aequo. Mais non. Mais c'est pour ça que ça me permet d'organiser un nouveau quiz pour vous départager encore toutes les semaines. Ouais, on va dire ça. Bravo. Ça veut dire que. Il y en a pour tout le monde, il y a des goûts différents dans chaque équipe. Oui, d'accord. Bon, ben voilà, c'est le moment de vous livrer la morale de l'histoire de ce nouveau numéro de Je t'aime, etc. Bon, on a vu que c'était pas facile de partager sa vie avec un aventurier. On a pris un cours de danse vraiment magique avec Alexandre. Et voici ce que m'a dit Caroline Veil à chaque fois que je sors des toilettes. Oh là là, papa serait très fier de toi s'il voyait ce que t'as fait. Piégés. Allez, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas encore à nous envoyer. On en reçoit plein chaque jour. Ça nous touche beaucoup. On sent, voilà, vous posez plein de questions sur l'amour, les sentiments, la sexualité. Nous sommes là pour y répondre chaque jour. Entre 15h et 16h, sur France 2, je vous laisse avec Sophie Davant et Affaires Conclues. On vous embrasse très fort. Passez une très très belle journée. Bye bye.